Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le 12 décembre, il est 8h51 du matin et je suis levé depuis 8h15 comme d'habitude. 8h15, 8h17 même le temps de lever. Aïe aïe. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que nous sommes rencontrés avec Laura et hier soir nous sommes offerts nos cadeaux. Un petit peu à l'avance, j'avoue. Je l'avoue, avec un petit peu d'avance, j'étais impatient de lui offrir et puis elle aussi et tout ça. Ah bah elle est bien bonne celle-là. Il y a une vidéo où j'ai demandé la remonétisation, ils disent non, non, on confirme qu'elle n'est pas adaptée. Ah oui. Ah oui, mais non, je comprends pourquoi, je comprends. Je vois quelle vidéo c'est, je comprends. Tant pis, mais je comprends. Alors que en fait c'est la deuxième partie d'une première vidéo qui elle était, a été remonétisée. Donc bref. Ne débattons pas, c'est pas grave. Je comprends. Juste coup de bol que la première partie était monétisée. C'est pas très grave. Du coup, hier nous sommes offerts nos petits cadeaux. Je vous avais montré dans le blog précédent ce que c'était. Laura m'a offert un coffret parfum et aussi surtout une petite vidéo, pas dédicace, une petite vidéo, un petit message privé en vidéo d'un youtubeur que j'apprécie énormément. Alors je dirais pas quel youtubeur, pour juste pas que les haineuses s'amusent à aller l'emmerder, etc, etc, etc. Mais parmi tous les youtubeurs que j'apprécie, que je suis, et ben il y a celui-ci particulièrement. Laura discuté avec lui plusieurs fois et tout ça. Et il m'a fait un petit message pour me souhaiter un bon anniversaire de rencontre et surtout bon courage pour tout ce qu'on vit et ce qu'on traverse actuellement. Il est au courant, il a vu le site internet, tout ça, etc. Il sait ce que c'est le harcèlement, donc voilà. Et ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. Voilà, Laura l'a pas forcé, entre deux conversations, on lui a dit bah, ça te dérangerait, ça t'embêterait et tout ça. Il a dit non, avec plaisir et tout ça, donc ça fait vraiment plaisir. Alors je suis pas du genre à être fanatique ou quoi que ce soit, tu vois, je suis pas oh là là, oh, le youtubeur m'a répondu et tout ça. Ça fait toujours plaisir quand un youtubeur que tu suis et que t'apprécies te répond, ça fait toujours plaisir, moi il m'a déjà répondu et tout ça, tu vois. Mais d'avoir un petit message, se dire voilà, il a pris le temps pour le faire et tout, ça fait vraiment plaisir, c'est agréable. Nous on l'a déjà fait avec Laura pour des abonnés qui nous ont contactés pour un petit message et tout, un petit bon anniversaire. Donc ouais, ça fait... Putain, mais Laura elle s'est garée dans le garage limite ou quoi? Sa voiture elle est à ça de la porte de garage. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc on s'est donné ces cadeaux-là hier soir. Ensuite, on a regardé Dirty Dancing. Donc je n'avais jamais vu ce film. Laura l'adore. Moi, je ne l'avais jamais vu. Et nous l'avons regardé ensemble hier. Et il était très bien. Alors, Marine Adams de mes lives et tout ça a dit que c'était un film cucul, mais que j'aimerais bien du coup. Et oui, je confirme, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé le film très intéressant, très sympa. Voilà, je l'ai trouvé très sympa. Oui, c'est neuneux, c'est cucu, mais moi j'aime bien des films cucu de toute façon. J'aime bien Twilight, j'aime bien Grease et tout ça, donc forcément bah, c'est dans ma cam, tu vois. Donc ça ne me dérange pas en soi. C'était vraiment, vraiment sympa comme film. Et après, nous sommes tout simplement endormis, voilà, vers 23h30, quelque chose. J'ai fait un rêve, mais tellement chelou. Un rêve, mais tiré par les cheveux et tout. Mais bon. Pas grave, c'était un peu chelou aussi le rêve. Et puis voilà, bien dormi et tout. Là, ce matin, j'ai mis le nouveau parfum que Laura m'a offert. C'est le Black Code d'Armani. Oh, Armani Code, il est trop bon ce parfum, il sent trop trop bon. Sans moi, il y a deux parfums que je déteste chez les hommes. Et ça, je lui avais déjà dit. C'est le Hugo Boss, la grosse bouteille là. En verre là, avec l'espèce de truc là, de poignée en tissu verte là. Celui-là, je ne peux pas. Et le Calvin Klein aussi. Le Calvin Klein, la bouteille, pareil, ovale, là, comme ça. Alors, ça, je ne peux pas. Je les apprécie pas du tout, ces parfums. Parce qu'en fait, une de mes sœurs travaillait à... You wanting to show... Oui, ok. C'était un peu pour le partenariat. Et du coup, ouais... J'avais déjà dit à Laura, ces deux-là ne me plaisent pas parce que ma soeur a travaillé en parfumerie et j'avais eu l'avantage et le bénéfice d'avoir de nombreux testeurs. Je les avais tous, j'ai tout testé moi, de toute façon au niveau. Je sais pas c'est quoi mon mot de passe pour accéder. Parce que Orange m'a envoyé un SMS en disant faut payer votre facture fibre, sinon on coupe internet. Le truc c'est que en fait moi c'est par prélèvement. Mais pour la fibre, ils m'ont jamais fait par prélèvement, c'est con.
Depuis que j'ai installé la fibre, il me demande à chaque fois de. La Livebox Up, elle est payée, elle. Ouais, elle s'est payée. Et la box fibre. Non, c'est par carte bancaire, ils m'ont pas mis par. Je leur avais demandé de mettre sur le même compte que les autres prélèvements. Voilà, passer au prélèvement automatique, bah, je vais le faire. Parce que là, ils me demandent de payer par carte, du coup. Sinon, ils me coupent la ligne. Et ça me saoule. J'ai pas que ça à foutre, quoi. À chaque fois, elle est payée et tout. Moi, par prélèvement, tu me poses pas de questions, c'est prélevé sur ton compte. Et puis, merci, au revoir, tu vois, bonsoir, quoi, tu vois. Aïe, aïe. Fin de facture est payée, merci. Facture payée, délai de rétablissement. Bah, il n'y a pas de délai de rétablissement, ça n'a pas coupé manifestement. J'ai reçu le SMS ce matin, j'ai tout de suite payé. Voilà, et passer au prélèvement automatique de vos prochaines factures. Par carte bancaire, non. Par prélèvement automatique, continuez. Votre IBAN, oh putain, c'est où? 10 données, gestion de trucs de documents, banque et RIB du conjoint. Alors, ouais, pourtant je leur avais demandé hein, de faire nécessaire pour prélèvement, mais bon, recevoir un code par SMS pour valider la signature électronique, comme ça c'est fait. Voilà. Alors, ouais, c'est bon, signé le mandat électronique, c'est bon, c'est fait. Voilà. Le prélèvement n'est pas encore mis en place. Confirmé. Ben, je confirme. Voilà, confirmation de souscription au prélèvement automatique pour la ligne fibre. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est mieux. Et j'ai reçu. Le mail d'Orange aussi au passage. Parfaito, perfetto. Ouais, parce que déjà le mois dernier, j'ai vu ça, j'ai vu payer par carte bancaire. J'ai dit, mais il est con celui-là ou quoi? J'ai demandé de faire par prélèvement comme d'habitude. Salut chat. Ah, salut chat 2. Enfin, non, faut pas que je vous appelle les chats. Ah. Je me suis aussi pesé ce matin. Je suis à 21 kg de perdu. Le plateau qui a duré 2 semaines, du coup, pour l'instant, il n'est plus d'actualité. Je repère. Petit à petit, je suis à 21 kg, à 100,8. Là, ça fait 13 ans que je n'ai pas fait ce poids. Et d'ici quelques jours, je l'espère, ça sera 99 quelque chose. Oh, putain, là, ça va faire bizarre. Et aujourd'hui, je vais faire du vélo elliptique pour faire des exercices, parce que ça fait 3 jours que je fais 10 000 pas. Mais là, il pleut des cornes et tout, alors je vais pas aller marcher sous la flotte là, j'ai un vélo électrique, je vais faire du vélo électrique, et puis voilà, ça sera très bien comme ça. Ce sera parfait. Bref, le lave-linge a tourné, il a fonctionné. Hier j'avais encore eu un problème, mais là c'est bon, ça fonctionne apparemment. C'est toujours ça, alléluia. Va falloir que je programme une nouvelle enquête de Ghost Nanos aussi, avant Noël. Et puis voilà. Allez, j'ai du boulot, comme d'habitude. Et puis voilà. Ah oui, il faut que. Hier, j'ai fait le montage de tout effet scam. Il faut que je fasse sauter les miniatures, du coup, parce que j'en ai plus besoin de ces miniatures. Tac, tac, tac. Hop, supprimer. Voilà. Ça, 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 ça. Supprimer. Voilà, c'est bon. J'ai supprimé toutes les miniatures qui étaient en bordel sur mon PC. Comme ça, c'est fait. Et ce disque de prod, j'ai encore de la place, mais il va falloir que j'achète. J'achète un nouveau disque dur externe. Bon, j'ai un disque dur d'un tera en bas. Faudrait que je mette dans un boîtier. Le truc, c'est que je sais pas s'il fonctionne le disque dur. Tant que je sais pas s'il fonctionne, j'ai pas trop envie d'acheter un boîtier pour ça, quoi. Ouais, je verrai bien. Hop. C'est bah, le SMS d'Orange, le mail d'Orange. Voilà. Perfetto. Tous les matins, je suis enrhumé. C'est ça, tous les matins, le rhume. C'est chiant. Libye, j'ai son bulletin demain, normalement. Ah non, dans 2 jours. Dans 2 jours, jeudi, j'ai le bulletin de Libye. Parce que je l'ai toujours pas. Mal non plus, on l'a toujours pas. Bon, l'oral va à la réunion parents prof ce soir. Ce seul truc qu'on a aujourd'hui, c'est la réunion parents prof de Malone ce soir. Bon, elle a pas une nouvelle note. Elle commence le deuxième trimestre. Avec 16,36 de moyenne. C'est très bien. Bulletin
maintenant, à partir du 14 décembre. Bon, attends, 14 décembre. J'ai hâte de voir les appréciations. Apparemment, elle aurait eu les encouragements, ce qu'elle m'a dit. Mais elle n'est pas sûre. J'espère, je croise les doigts pour elle. Vu les efforts qu'elle a donnés, ça serait bien quand même. Tac. Tac, 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 tac. Allez, let's go. Allez, beau aussi. Bon les amis, il est actuellement 9h18. Je suis en train de monter du coup le TikTok de déballage tout goût. Comme je l'ai déjà dit hier du coup en vlog, en fait je mets des redives de TikTok. Enfin je mets des TikTok d'extraits de vlog et tout ça. Des extraits de vlog sur TikTok. Et bah là ce que je suis en train de faire avec le panier tout goût. Vous l'avez eu déjà en vlog. Oui celui-là par contre il est sorti d'habitude en fait certaines fois. Généralement sur TikTok je vous mets à l'avance du coup les publications des vlogs. Mais là du coup bah ça sera après parce que Laura avait déjà posté hier. D'ailleurs je crois qu'elle a filmé aussi le haul course avec son téléphone hier. Mais je sais pas si elle l'a déjà monté et publié et tout. Je ne crois pas. Mais au moins comme ça le tout goût c'est fait. Et puis je vais pouvoir le balancer sur TikTok là. Je vais le publier. De toute façon je vais redescendre en bas et puis je vais le publier. Tant de riz, il pleut mais des cordes. C'est aberrant la météo de merde. Oh, c'est affreux. Bon, c'est comme ça, c'est la météo de merde. J'ai rechargé du coup le booster de batterie qui est maintenant à 100%. Si elle a besoin de démarrer le Q7, clac, ça ira sans aucun problème. Je vais d'ailleurs le remettre dans sa boîte et éviter de le perdre celui-là parce que j'en avais déjà un autre que j'ai perdu. Je ne sais pas où il est passé. Mais celui-là, il faudrait éviter de le perdre, ça serait bien. Hop. T'as plus la boîte. Ça sent les cèpes. C'est bizarre, ça sent les champignons. Tiens. Voilà, c'est dans sa petite boîte. Prêt à être utilisé s'il y a besoin, je le mettrai dans le Q7. Comme ça, au moins, il est toujours là-bas. Je peux faire 4-5 démarrages avec avant de le recharger, donc ça va. Ah, c'est bon, le TikTok est rendu. Hop. Je vais l'envoyer sur le drive pour le récupérer. C'était ce blog là. Non, c'est pas là. Ça doit être là. Ouais, TikTok tout. Voilà, ça a envoyé. Allez, let's go. Je vais récupérer ça sur mon téléphone. Attends, je me mets sur la fibre, ça ira beaucoup plus vite pour le télécharger. Tac tac, Livebox. C'est bon, je suis sur la fibre, comme ça je peux le récupérer plus vite. Et il doit être dans mon drive. Tout goût. Oui, télécharger. Les charges ou pas? Oui, c'est bon, c'était chargé. Nickel, je vais pouvoir le mettre sur tot. Parfait. Enfin, mon temps de merde, hein. Je vous jure là, le temps il est affreux. Hein. Oh là 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 là. Bon, je vais redescendre pour l'instant. Et je vais faire ça sur le canapé, tranquillou. Bon, les amis, il est actuellement midi. Ah, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, je suis descendu. On a regardé Big Bang Theory avec Laura. Elle s'est endormie. Après on a du coup mangé le reste de riz. Je pensais qu'elle proposerait qu'on aille manger quelque part, tu vois, pour notre anniversaire de rencontre, mais non, je pense qu'elle n'a pas eu l'idée. Et du coup, bah j'ai fait le reste de riz qui restait, j'ai juste fait un peu de béchamel, enfin béchamel. La béchamel recette de ma mère, tu vois. Putain, j'ai des poils gris là. Donc on a mangé, c'était bon. Après on a continué de regarder un peu Big Bang Theory, elle s'est endormie. Après on a débarrassé la table. Et puis là, du coup, je suis monté sur le PC, j'ai du boulot et tout. Et puis de son côté, elle va préparer son live, elle va faire un live gâteau. Apparemment, cet après-midi, ce qu'elle m'a dit, elle va faire un live gâteau et tout. Dehors, il continue de pleuvoir. Il n'y a que ça, que de la pluie, c'est tant de merde de toute façon. C'est la grosse merde. Oui. Hop.
quel rototo. Et ce soir, quelle recette je fais déjà? Attends, voir. Purée maison et saucisse. Ok, ce soir c'est purée maison. C'est même pas une recette HelloFresh, tu vois. Purée maison, c'est très bien. Ce qui est prévu ce soir. Donc, juste couper les patates, les cuire, les mettre en purée. Les saucisses à la poêle. Et c'est réglé. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Ce sera très bien. Et les gens ils parlent de mon replay de live aujourd'hui. Ouais. Et du coup ils m'ont confirmé la démonétisation de cette vidéo là. Et pourquoi? Monétisation. Demande de téléchargement. Non, c'est pas ça, je veux savoir. Gestion des droits. C'est où que je vois ça? Alors attends, ça doit être là. Dans droit d'auteur. Non. Dans paramètres. Ah voilà. Non. Non. Mais je l'ai trouvé l'autre jour. En revenu. Ah oui, c'est là. Non, c'est pas là. Ah oui, voilà. Afficher l'évaluation. Ah, ils disent pas pourquoi. Ils ont confirmé la démonétisation, mais sans raison. Ils n'ont pas donné de raison ou quoi que ce soit. Je pourrais contacter mon network en lui demandant de faire appel et de rétablir, mais franchement, c'est une vidéo où je lis les commentaires haineux. Donc bon, lisant des commentaires haineux, forcément, les commentaires sont haineux. Donc, ça paraît un peu logique que ça soit un peu trop vulgaire. Pourtant, c'est une personne à qui il faut donner de l'amour et des vues, hein, ça a été dit. Hein, donc, Visiblement, même YouTube considère que ces commentaires sont pas appropriés. Mais bon, lui donner de l'amour et des vues, tu sais. Quel délire. Bon, moi je vais bosser. Je reprendrai après de cette journée qui est calme, hein. Très très calme. Hop, allez, let's go. Let's go, let's go. Bon les amis, il est actuellement 15h46. T'as fait ton live, c'est bon. T'as fait des spritz, machin là. Et du coup, moi je pensais qu'on allait chercher les gosses à pied. Pour ça je mettais mon manteau, bon en fait non. Tu m'en voiture du coup, ouais. Oui. Bon bah du coup j'ai rangé mes affaires. Oh, il fait très très moche. Et j'ai réussi à régler un problème sur mon PC. En fait, on a voulu jouer à Warzone à dehors avec Geoffrey et Théo. Mon casque, en gros, mon micro ne marche pas. Et quand j'active le micro, mon casque passe en mode mono au niveau de la musique. Donc ça fait une qualité absolument affreuse. C'est ce qui m'a poussé à faire tout le rangement, les mises à jour et tout. Je me suis dit, il y a un problème, c'est pas possible. Et là, du coup, avec Théo, il m'entendait pas dans le truc. Donc on a fait une conversation sur Xbox. Ça marchait de nouveau pas. J'avais un son de merde. En fait, parce que Windows 11 a fait une mise à jour la semaine dernière où en fait il y a une option à désactiver, c'est l'option main libre. En gros, si tu actives l'option main libre, le micro peut passer par ton casque, mais c'est pas le cas pour moi, j'ai un micro stream. Mais du coup, désactive le stéréo dans ton casque. C'est une option. C'est de la merde, c'est comme les kits main libre pour les téléphones. Sauf que je l'ai désactivé, sinon ça marchait pas. Sauf qu'avec Windows 11 et leur dernière mise à jour, cette option, ils l'ont déplacée ailleurs. Enfin, ils l'ont doublée, ils l'ont en mis une autre. Donc tu es obligé d'aller chercher l'option pour la désactiver ailleurs. Et c'est bon, ça fonctionne. Alléluia. Grâce à Théo, j'ai réussi à résoudre ce problème, parce que ça me faisait chier depuis quelques jours, et puis de toute façon, même quand je lance le stream, pareil, j'ai le son qui coupe et ça me fait de la merde. Enfin, c'était un vrai bordel. Aïe, aïe. Oh, bah j'ai mis la petite maison dans la prairie, du coup, hein. Ah, mais je voulais aller chercher avec Laura, et finalement, bah non. Parce que je voulais y aller à pied. Mais bon, de toute façon... Après, ils vont rentrer. Laura va partir à la réunion. Le Malone, on le retrouvera pas trop tard de toute façon. Et puis voilà. Oh, je suis trop content d'avoir résolu ce problème parce que, en fait, moi je suis pas. Quand il y a un truc comme ça qui se passe, surtout en informatique ou en électronique, un truc qui ne devrait pas fonctionner comme ça fonctionne. Comme une fois, par exemple, avant que je mette mon nouveau ventilateur pour la carte graphique, mon IO là, en water cooling, j'avais fait des tests de ma carte graphique et de ma config. J'ai quand même un PC. Je l'ai monté exprès pour que ça soit un PC extrêmement puissant. Et quand j'avais fait un test de puissance, en fait, j'étais pas dans les clous. C'est-à-dire qu'il était dans la moyenne,
Mais avec ce que j'ai mis, il devrait être au-dessus de la moyenne, voire... tu vois, il y a un écart-type, quoi, entre, allez, on va dire, j'invente, entre 10 et 15 000 points. Et le mien n'était pas à 10-15 000 points, il était genre à 13 000. Ou même 12 000. Et je me suis dit, non, je devrais être au moins à 15 000, voire plus, tu vois. Et ça me stressait, je me suis dit, mais comment ça se fait? Après, je suis pas, voilà, je suis pas un génie en informatique ou quoi que ce soit, malgré ce que les gens pensent que je dis. Non, j'ai jamais dit que j'étais un génie ou je sais pas quoi. Surtout que l'informatique évolue tellement rapidement que si tu te mets pas à la page, bah t'es un peu à l'ouest, t'es un peu largué, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'avait stressé, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce refroidissement. Je me suis dit, ça se trouve, c'est le refroidissement. Déjà que l'autre, il était pas super efficace, je me suis dit, en changeant le refroidissement, je vais peut-être améliorer les perfs. Et c'est là où le magasin d'informatique chez qui j'ai fait installer, parce que j'aurais pu l'installer moi, mais pareil, c'est un truc que je n'ai jamais fait, ça, ce genre d'installation. Donc je me suis dit, au lieu de faire n'importe quoi ou de me faire chier, je vais payer quelqu'un pour le faire. Donc je suis allé au magasin d'informatique, il a commandé la pièce, il m'a installé le truc. Et quand j'ai récupéré l'unité, il m'a dit, ah bah en fait, il y a des paramètres qui étaient, votre carte graphique n'était pas configuré pour donner le maximum de son potentiel. Je dis, ah bah merci. Je dis, c'est exactement ce que je m'étais dit, qu'il y avait un souci de configuration quelque part. Et du coup, bah il a fait le nécessaire. Et maintenant, j'ai des super scores et tout. Et là, quand j'ai vu l'autre jour qu'on a essayé Warzone, que du coup on m'entendait pas, et quand j'activais le micro dans le jeu, parce que non c'est tout fait par défaut, t'as même pas besoin de te faire chier à activer ou désactiver, que j'ai vu que ça déconnait, que dès que j'activais le micro j'avais un son de merde dans le casque, parce que j'étais passé en mono et pas stéréo, gauche droite bah j'étais en mono, je savais d'où venait le problème, et j'ai dit, je l'ai désactivé, la fonctionnalité était désactivée, donc j'ai dit c'est pas logique, donc j'avais dit à Théo et tout, j'ai dit c'est Warzone qui déconne, c'est un jeu de merde, j'ai pas envie de jouer avec une qualité pourrie comme ça où vous m'entendiez pas. Donc j'avais quitté le jeu, ils ont joué de leur côté, et puis voilà. Et là, du coup, aujourd'hui, il s'est connecté, on a fait une partie, genre on a joué 20 minutes au jeu, là, de Borderlands. Il a lancé la partie, et je l'entendais pas. Il m'a dit, bah attends, on se capte en vocal sur Xbox, sur l'application Xbox, de toute façon, ça revient au même, tant qu'on discute ensemble, on le met, et là, même problème. Il m'entend, mais j'ai une qualité de merde. Et quand j'ai une bonne qualité, il m'entendait plus. Et j'ai dit à Théo, j'ai dit, écoute, quitte le jeu, on va essayer de résoudre ce problème parce que le truc c'est que je peux pas l'identifier. En gros, je peux pas savoir si ça marche tant que je suis pas en conversation avec quelqu'un, tu vois. Et dans le jeu, j'allais pas jouer et configurer le truc en même temps. Donc, on a essayé de chercher et tout, et en fait, je suis tombé sur un. Maintenant que je savais que c'était pas Warzone le problème, parce que moi je cherchais une solution vis-à-vis de Warzone. Je tapais Warzone 3, problème, son micro, machin, en anglais généralement je tape comme ça, je trouve plus de résultats. Et maintenant que j'ai su que c'était pas Warzone mais que c'était Windows le problème, j'ai tapé Windows et là tout de suite je suis tombé sur une solution d'un mec qui a dit oui c'est normal avec la dernière mise à jour de Windows 11, le mode kit main libre qu'il faut désactiver avec un casque Bluetooth, parce que mon casque est Bluetooth, c'est ça le problème, il faut le désactiver là-dedans, et c'était déjà fait, je dis ouais mais je l'ai déjà désactivé là. Mais aussi dans ce menu là, un sous-menu où il fallait mettre autre paramètre, et là ah tu tombais dessus. Et le pire c'est que cet autre menu paramètre, tu peux pas le trouver en cliquant à droite à gauche, faut taper une commande système. Donc tu tapes, tu ouvres la commande système de Windows et tu dois taper contrôle machin et tout. Et c'est seulement là que j'ai trouvé la fonctionnalité à désactiver. Et là, d'un coup, boum, tout a refonctionné. Oh, j'ai dit à Théo, oh, ça fait des jours et des jours que je m'énerve avec ça. Même en live, quand je lançais mon live, mon son dans le casque passait. Alors je m'en fous, j'ai pas de musique, mais par exemple, quand je fais des lives où je vous montre des vidéos, où je joue un jeu, bah, j'ai un son de merde, tu vois, c'est trop chiant. Donc du coup, bah, ça me stressait, ça m'énervait de ne pas trouver la solution. J'ai essayé, j'ai mis à jour tous mes logiciels. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai fait une grosse mise à jour de tous les logiciels de Windows, de mes logiciels de montage et tout. Et finalement, bah, le problème devenait bien de Windows et il est enfin résolu. Je suis en train de jouer au jeu de la pastèque. Hein. J'essaie toujours de battre Geoffrey, mais là, j'ai toujours pas réussi. Donc vraiment, je suis trop content d'avoir trouvé la solution à ce problème. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me gonflait. Enfin si, peut-être, mais ça me gonflait. Je dis, ah, mais c'est pas possible. Je dis, j'ai bien trouvé la solution. Pourquoi ça ne marche pas? Ça fait chier quoi. Et c'est bon, solution trouvée. Alléluia. Bref, là il est actuellement un peu plus de 16h. Les enfants vont rentrer dans 5 minutes, à peu près dans quelques minutes et tout. Il y a les devoirs à faire, même si demain on est mercredi, on les fait déjà ce soir, comme ça au moins demain, pas besoin d'y penser, pas besoin de stresser ou quoi que ce soit. On va faire les petits devoirs. Demain c'est mercredi, il n'y a que Libby et Malone qui sont à l'école du coup. Ensuite Laura elle part, ce soir je prépare... purée maison, donc je vais demander à Théo d'éplucher patates, il adore faire ça. Donc purée maison, avec les petites saucisses à la poêle, avec le jus de la saucisse du coup, dans la purée. Ça donne un bon petit goût viande à la purée. Petite astuce que je vous donne, c'est trop bon. Et c'est des saucisses, des chipots, hein, des saucisses toutes basiques. Hein. En ce moment, il y a une offre à Inter sur les chipots, c'est pour ça que j'en ai acheté 3 semaines de suite, parce que
Bah écoute, les enfants ils adorent ça. Moi j'aime bien, Laura l'aime bien. Et en plus elles sont pas chères, elles sont en promo à chaque fois là. Donc je me gêne pas. On va pas se gêner mon gars, hein. Donc voilà, la recette ce soir, je vais même pas vous la filmer, y a pas besoin. Je cuis les pommes de terre au cookéo, ça va beaucoup plus vite. Enfin, c'est pas qu'elle ça va plus vite, c'est qu'au moins elles sont bien cuites. Je cuis les... Ah bah non, je peux même le faire directement dans le compagnon, les pommes de terre. Ah non, je vais le faire au cookie-o. Ensuite, les pommes de terre dans le compagnon, mais attention, pas avec l'ultra blade, pas avec le couteau tranchant, parce que sinon elle va devenir élastique, la purée. Et là, vous mettez au niveau 10, 11, hop, vous battez la purée, elle va devenir machin, avec un peu de lait, un peu de beurre, ou de la crème liquide, si vous avez, ou si vous préférez. Un peu de miel aussi, oui, je mets un peu de miel dans la purée, de la muscade, sel, poivre. Et hop, ça vous donne une super bonne purée, bien onctueuse, et tout ça, voilà. C'est pour ça, oui, je vais pas vous filmer toute la recette ou quoi que ce soit, c'est une purée basique, je pense que... Vous avez tous la recette de la purée, vous savez tous comment faire, hein, de toute manière. Là, du coup, j'ai mis la petite maison en prairie, et là, la place de Charmed, que je suis pas trop fan, ils ont mis Desperate Housewives, maintenant, à partir de 17h sur Sister. Et j'adore cette série, c'est une des meilleures séries pour moi que j'ai vues, Desperate. Du coup on la regarde tous les soirs, enfin on la regarde comme on peut, parce que bah, on a aussi des choses à faire, on n'est pas forcément devant la télé. Ce qui est bien, enfin ce qui est bien oui, c'est que tous les jours ils rediffusent les épisodes du jour précédent, ils en mettent deux inédits. Donc du coup même si t'as loupé, là hier on n'a pas regardé, donc on a loupé les épisodes d'hier, mais on s'en fout parce qu'on va avoir le replay, on va voir les épisodes et puis bon il y a le replay aussi et tout tu vois. Donc on va regarder Desperate aussi, tranquille, pendant pour faire à manger et puis voilà. Les enfants mangeront probablement avant Laura, elle a rendez-vous à 17h30, le temps qu'elle revienne. Ah non, peut-être qu'elle sera rentrée juste à temps, je sais pas. Après, j'ai mon vlog à monter, ce vlogu. Et puis après, bah, j'ai mon live ce soir, un live blabla. Alors, c'est que des live blabla cette semaine. C'est ce soir, jeudi soir et samedi soir. J'ai mis samedi soir cette fois-ci et pas dimanche, parce que Laura, elle a un concert avec sa mère samedi. Et du coup, elle est pas là, donc je me suis dit, bah vu qu'elle est pas là, autant en profiter pour faire le live, quoi. Que de le faire dimanche soir, là, on pourrait être tous les deux tranquilles au lit, tu vois. Donc voilà, j'ai programmé ça comme ça, je l'ai publié sur Insta. J'ai une petite publication qui est programmée aussi pour nos 4 ans de rencontre. Et puis voilà, ça sera bien. Voilà, voilà, bon, hop. J'attends que Laura le rentre. Et puis, la petite routine avec les enfants va commencer. Voilà, voilà. J'arrive vraiment pas à le battre. Hein. Je fais des bons scores hein, sur le jeu de la pastèque, hein, mais j'arrive pas à atteindre son score à lui. Je sais pas comment il a fait. Bah, après, il est extrêmement bon à ces jeux. Il est meilleur là-dessus que sur Warzone. Pareil pour l'enquête de Ghost and Us. Je sais pas du tout comment je vais me coordonner. Je vais peut-être la faire toute seule. Je sais pas. J'en ai reparlé. Je lui en ai reparlé du coup ce week-end. On discutait la conversation avec Théo. Il a pas relevé quand j'ai dit bah, je dis, tu réponds pas trop en ce moment. Moi, j'essaie de voir avec toi pour faire une enquête. J'ai dit, mais tu me réponds pas donc c'est compliqué. Bah en même temps il travaille de nuit et tout mais il dort beaucoup donc forcément bah, il est pas sur son téléphone et puis il a pas tilté. Donc on verra bien, je verrai bien si je la fais tout seul ou pas. De toute façon, il a du boulot, tant mieux hein, qu'il ait du travail, ça c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup travailler en nuit c'est un peu compliqué. Il travaille pas les week-ends mais bon, il se repose aussi, il voit sa famille et tout, c'est logique quoi. On verra bien, dans tous les cas de toute façon je trouverai une solution. J'ai les lieux, j'ai tout ce qu'il faut. On verra bien. Allez, go. Bon, les amis, Laura vient de partir. Du coup, là, on termine de voir de Léo. C'est quoi, du coup, c'est quelle semaine? Semaine 13. Un chien. Et j'ai le bulletin de Libby qui est ici. Je peux le dire en vidéo? Oui. Ah oui. Oh, putain. Il y a une chienne. Oui, une chienne aussi, oui. Mathématiques. Bien, bilan certes fragile, mais Libby fait des efforts réguliers de travail et de participation et cela paie. Elle doit poursuivre avec cette bonne volonté et s'accrocher. Physique chimie, Libby pourrait obtenir des résultats bien meilleurs en étant plus impliquée en classe. Ouais. SVT, une moyenne correcte qui cache toutefois des résultats irréguliers. Il faut travailler régulièrement pour ne pas être submergé lorsqu'elle arrive le contrôle de fin de chapitre. Un collier. Ensuite, techno, très bon trimestre continué. Anglais, de très bonnes compétences en expression et compréhension dans cette matière pour Libby et un bon travail, qu'elle poursuive ainsi. Allemand, bon trimestre pour Libby qui possède de réelles compétences en allemand, l'attitude est positive et la participation en classe est régulière. Bon. Il faut continuer ainsi au trimestre prochain. Une laisse. Français, très bon trimestre pour Libby qui est une élève qui fournit un travail personnel en classe et à la maison de qualité. Néanmoins, les bavardages sont beaucoup trop récurrents, il faudra donc travailler là-dessus. Elle lui a changé de place apparemment. Bon. Un panier.
Histoire géo, travail sérieux, Libis investit beaucoup dans l'apprentissage des leçons, c'est très bien. Mais de l'attention en classe peut être plus soutenue, ce qui rendrait le travail plus personnel plus performant. C'est vrai. C'est bon. Un osier. Des résultats juste convenables en sport, Libby a des qualités, travaille juste quand il le faut pour s'en sortir. L'ensemble manque de régularité. Prends les autres d'abord. Manque de régularité et consistance. Non, les autres. Il y en a encore, hein, des pommes de terre. Sales. Bah, tu les nettoies. De toute façon, tu les épluches, on s'en fout qu'elles soient sales. C'est bon. Un bâton. Art plastique, ensemble satisfaisant, mais les capacités sont pas toujours exploitées au maximum. Surtout que, voilà, 15-40 quoi. Musique, ensemble satisfaisant, Libby doit poursuivre ainsi tout en approfondissant son travail personnel. Elle a 14,21 en musique, 16 en art plastique, 13 en sport, c'est bon. 14 en histoire, 16 en français, 16 en allemand, 17 en anglais, 15 en techno, 12,50 en SVT, 13 en physique chimie et 12, t'as pas une moyenne en dessous. Et du coup, les résultats de Libby sont bons ce trimestre, mais ils pourraient être encore meilleurs si elle travaillait avec plus de régularité. Libby a de belles capacités, elle peut encore progresser, on lui conseille de s'investir davantage, et c'est vrai. Mention encouragement. Mais tu sais qu'il y a maintenant il y a des professeurs, quand je fais autre chose, ils m'engueulent pas parce qu'ils savent que de toute façon j'ai des bonnes notes. Oui mais bon, c'est il faut quand même approfondir ton travail et surtout avant de répondre à une question, réfléchis parce que tu te plantes souvent dans des questions parce que tu vas trop vite. Un exercice. Il y a des trucs que je savais pas faire avant que maintenant je sais faire, du coup je me choque moi-même. Bah oui. T'as appelé Nini pour lui dire ? Non, je vais l'appeler. Bah, appelle-la maintenant et dis-lui tes appréciations. Il y a deux trucs à faire de l'exercice. Oui, bah appelle-la maintenant, comme ça au moins c'est fait, parce qu'après elle pourra peut-être pas répondre. Un plaisir. Oh putain là. Wouah, c'est trop de la phrase. Hop, c'est bon. Là, on est fiers de toi. Purée. Bravo. T'as pas, je vais lui lire. Ouais. Et ta mère aussi, elle est sûrement fière de toi. Vraiment, parce que... Bah moi aussi. Elle avait très peur. Moi aussi quand je passe le bazar. Bah oui, elle est fière de vous tous. Moi tu mets pas le panier et après tu mets pas le bazar. Bah parce que je sais calculer Léo. Bah tu foutais rien parce que tu disais que t'étais incapable de faire quelque chose alors que la preuve que non. Surtout si tu veux être prof. Là, honnêtement, tu m'aurais dit je veux être prof d'anglais l'année dernière. C'est un master en bac plus 5, je t'aurais dit là tu veux être prof d'anglais, t'as largement de quoi y arriver, tu l'as prouvé. Tu l'as largement prouvé. Ça va, ça va être long et compliqué, mais tu vas y arriver. Tu sais que à chaque fois, on que. 2 kilos, je t'ai demandé. Mais à chaque fois, on est 3 à être à boire un coup. Un plaisir, tu l'as fait. Et du coup, à chaque fois que personne ne le sait, bah, je m'interroge soit moi, soit. Un vétérinaire. Bah oui, mais c'est bien. Mais je comprends pas pourquoi je suis plus forte en allemand qu'en anglais. Du coup, ça, moi, ça me fait un peu bobo. Non, c'est très bien. Et appelle Nini, dis-lui pour ton butin, elle sera contente. Un rappel. Un rappel. La Théo il va éplucher patate. Putain, j'ai zoomé ma gueule là, je sais pas pourquoi. Bon les amis, il est 18h15. Je viens de mettre un purée dans le compagnon, je suis en train de faire les saucisses. Ça va être prêt. Dans une version cuite. Je crois que le Pukéo est en train de rendre l'âme, il a de plus en plus d'erreurs là, il met des codes erreurs. De dégazage et tout ça, pourtant, avant que ma mère m'écrive en disant « Oui, mais t'as vérifié la vis ?» Oui, la vis est bien, tout est bien. C'est juste que ça fait un moment que je dois mettre un cure-dent dedans pour le dégazer à chaque fois. Je pense qu'il est en train de petit à petit rendre l'âme, ce con. C'est con. Enfin bref. Ouais, j'ai pas de nouvelles de Laura pour l'instant. On est toujours à la réunion par en prof. Et puis je fais à manger comme ça, je vais manger les petits. Hop. Let's go. Pour faire la bonne purée maison. Hop là, hop là. Bon, en même temps que je regardais Sprite sur mon téléphone, il est temps de ranger la cuisine. Là, il est temps de ranger la cuisine, là. Bon, les amis, il est actuellement 19h07. Il est 19h07, ma chérie. Là, il est 19h07. Malone vient de rentrer. Avec, du coup, sa mère. De la réunion parents prof, donc en gros il est premier de la classe, il est premier de toutes les premières du lycée. Hein. Un élève brillant, intellectuel, etc. etc. Des louanges, des commentaires dithyrambiques sur le bulletin. Mais il n'a pas les félicitations, parce que la directrice du lycée a décidé que vu que en SVT il était notifié quelques bavardages. Alors Laura lui a dit au prof principal lui a dit mais est-ce qu'il perturbe le cours? Non. Est-ce qu'il dérange la classe? Non. Est-ce qu'il est irrespectueux, hautain ou autre? Non, pas du tout. Alors pourquoi il n'a pas de félicitations? Il dit oui, mais parce que la directrice de l'établissement a décidé que pour avoir les félicitations, il fallait être irréprochable, passe un seul commentaire. Et en SVT, c'est marqué que parfois, il bavarde un peu. Voilà. Oh, putain.
Il a dit 17 de moyenne en première S. Hein. Oui, alors je sais, il y en a plein qui m'ont dit « ça n'existait plus, première S ». C'est bon, c'est l'équivalent, ok. Va pas me faire chier. Du coup, voilà, on lui a dit qu'on était fiers de lui, que de toute façon, il fallait pas s'en tenir à ce genre de d'avis sur de l'établissement ou quoi que ce soit, que lui, il savait ce qu'il valait. Il n'a jamais autant bossé que cette année. Là, on le voit bosser à fond. Il n'a jamais eu besoin en soi de travailler de ouf, tu vois. Mais là, cette année, il s'accroche vraiment et bah, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. De toute façon, c'est sans nul doute. Hein. Donc, bon, nous, on est fiers. Alors, entre Libby et Malone, là, ce soir, c'est... Et puis Théo qui a ramené un 20 sur 20 en maths. Alors là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, là. Hein. C'est le même de... Je sais plus, c'est qui, Mister V ou je sais pas quoi, là. Ça fait beaucoup, là. Non, putain, j'ai le pull qui est trempé parce que... Je viens de faire la vaisselle, ouais, parce que du coup j'ai rangé toute la cuisine, j'ai fait la vaisselle et tout pour que ce soit nickel. J'ai servi l'assiette de Laurent et Malone. Moi j'ai pas mangé, alors j'ai pas mangé parce que j'ai pas faim. Déjà, je vais pas me forcer si j'ai pas faim à manger. Et en plus de ça, j'ai grignoté un peu de purée là pendant que je la préparais. J'ai pris un peu de purée avec une cuillère, donc voilà, ça me suffisait largement. Juste nettoyer mes lunettes, elles sont dans un état là. Je lui disais que la boussure des saucisses là, j'ai de la graisse sur les lunettes, t'sais. Donc, ouais, j'ai pas mangé, je me suis pas fait une assiette quoi. Mais ça me va très bien, j'ai pas faim de toute façon, donc c'est bien. Laura aussi, pendant qu'elle était partie, elle m'a demandé si ça m'intéressait qu'elle vienne en live avec moi ce soir. Du coup, ça faisait un moment. Donc celle qui m'a proposé, elle m'a dit, oh, je pense que ça serait cool, ça ferait plaisir aux gens et tout, et à moi aussi. Je dis, bah écoute, si tu veux venir ce soir, viens ce soir. Donc je l'ai annoncé là en story, comme quoi Laura serait présente ce soir, c'est cool. Et là, bah du coup, avant live, il faut que je monte le vlog, donc ce vlog là, je suis en train de charger les fichiers, hein. Je vous filme, mais j'ai déjà l'autre carte mémoire, parce que j'ai deux cartes mémoire, même plus que deux, j'en ai au moins une dizaine, qui est en train de charger sur le PC. Ouais, j'y suis avec mon boxer, mon golfière, c'est beau. Voilà. Hop. Allez, je vais maintenant vous clôturer, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ah oui, il y a aussi la Sainte Kitty Moon, vous savez, celle dont la vidéo a été le sujet. Alors, il y a eu la première partie aujourd'hui, monétisée, pas de problème. Elle est même venue commenter sur YouTube, cette meuf, en disant merci à ceux qui s'abonnent à moi sur TikTok. Elle a mis son pseudo TikTok, machin et tout ça. Merci beaucoup. Bienveillant sur... psychiatrique. Et la deuxième partie de sa vidéo a été démonétisée par YouTube. Parce que dedans, YouTube, j'ai reçu finalement les commentaires. Je lis des messages à caractère haineux, de harcèlement... diffamatoire ou je sais plus quoi, non, de... Ouais, c'est bien. Bah oui. Haineux, diffamatoire, machin, etc. À caractère discriminatoire envers des communautés, envers le physique des personnes, etc. Alors, YouTube... Bon, alors moi, je m'en fous. Hein. Franchement, honnêtement, je m'en fous qu'elle soit démonétisée. Celle d'aujourd'hui aura... Merci. Celle d'aujourd'hui aura fait... Éteins la lumière et ferme la porte. Celle d'aujourd'hui aura largement fait le café, de toute façon, au niveau revenu. Donc, c'est pas grave. Ça me passe au-dessus de la tête. Mais YouTube considère que les messages que j'ai lus sont haineux, caractère discriminatoire, diffamatoire, harcèlement, machin, etc. Donc ils me démonétisent la vidéo. Ok, je suis d'accord avec eux, comme j'ai dit, je comprends. Et elle vient s'en vanter en disant « Ouais, merci de me rejoindre, du cœur sur vous et bienveillance. Wow. » Là, aujourd'hui, je le savais déjà et je le pensais déjà, mais là, elle a vraiment un problème psychologique. Voire même psychiatrique, là. Là, c'est... Un level là. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps. Let's go, je vais travailler. Des bisous. Salut.